Yo tout le monde, on se peut toute nouvelle vidéo, maintenant cette vidéo est bien FIFA 20 carrière manager avec le LOSC. Voilà, donc bah c'est parti, hein. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le confinement, voilà, je vous pose la question, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, ça fait plaisir. Donc c'est parti, avec l'entraîneur, non, oui, donc c'est parti, donc... On va regarder l'équipe du LOSC. D'ailleurs, le maillot est excellent. J'ai envie de le manger tellement qu'il est excellent. Voilà. Alors, Victor Osimhen, Loïc Rémy. Non, je sens ça. Jonathan Ikoné, André qui vient de Rennes. Renato Sanchez qui vient de Bayern. Jonathan Bamba qui vient de Saint-Étienne, je crois. Mais après, je sais plus. Après, voilà. Badraric, ok. Gabriel, un excellent joueur doté d'un énorme potentiel, normalement, je sais pas. Fonte, vraiment excellent, excellent. Je vais le manger. Non, ça fait deux fois que je l'ai dit, c'est pas rigolo. Fonte, qui font. Voilà. Et il a pas de vitesse, mais c'est un excellent défenseur. Voilà, je sais pas si on va le garder, mais à mon avis, on va le garder. Salik, on va le garder, lui, c'est sûr. Lui, il est fort, il est fort. Mike Maignan, le meilleur gardien de la Ligue 1, on peut vraiment le dire, avec Steve Mandanda et Alphonse. Non, je plaisante. Et Keylor Navas, mais Navas, il est nul, pour moi. Gaëtan Laborde, non, je plaisante. Gaëtan, 31 ans, on va le vendre, je sais pas. Bon, on n'a pas le droit de vendre si, par exemple, dans la vraie vie, ils l'ont recruté cette année. Bref. Luis Araújo, vraiment, il est rapide. Je l'ai déjà testé avec l'Olympique de Marseille sur FIFA 20, sur mon ancienne chaîne. Voilà, je vais réussir à le dire. Zeka, il se fait vieux, pourtant il n'avait que 24 ans. C'est un bon joueur. Il a grandi à l'OSC, je crois. Soumaré qui a été intéressé à un moment par le Real Madrid, mais il est resté. Léo Jardine que j'avais pris l'année dernière à Marseille sur FIFA 19. Diallo, un excellent joueur doté d'un énorme potentiel, je sais pas. Reinildo, voilà, je sais pas. Pied, voilà, lui on va le vendre. À moins si Jonathan Pied là, je sais plus, c'est quoi. Chevalier, doté d'un énorme potentiel. Onana, pas le gardien, c'est pas le gardien Onana, mais c'est voilà, c'est un jeune. Agouzoul, voilà, ça saoule d'avoir des jeunes comme ça. Mitroglou, non, je plaisante. Postolachi, doté d'un énorme potentiel. Il a le même général que Mitroglou, hein, vraiment. Nias, voilà, c'est un bon jeune doté d'un énorme potentiel, je crois. Zegage, ouais, tu vas dégager, peut-être, si t'es pas un énorme potentiel. Orosama, voilà, il sait pas, donc c'est bien pour lui. Zeka, on dirait que c'est le frère de Zeka, ok. Timothy Weah, l'ancien Parisien, le fils de... Non, j'aime pas. C'est un excellent joueur, on va le garder. Ça se trouve, il sera intéressé par Strasbourg, Dijon, des grands clubs aussi, mais on va le garder. Yazici, Lionel Messi dans SD, hein, ceux qui connaissent SD, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez SD. Ça serait bien. Boca Junior, non, Bocat. C'est un excellent jeune, je crois. Drou, hein? Lui, direct, il va dégager parce que ça fait 1000 ans qu'il est dans ce club. Ça fait 1000 ans, il s'améliore pas. Farage, doté d'un énorme potentiel. Et je crois qu'on a terminé avec cette équipe du LOSC. Et ça sera maintenant pour les transferts. À moins que je vous présente les prêts, ceux qui sont partis en prêt. Il y a Kofi, un excellent gardien. Excellent, lui, peut-être. Voilà. Juka Bech, dès qu'il revient, on va le vendre. Lui, Juka Bech, c'est bon, il m'a énervé. Lui, je le connais pas. Hein, les Slovaques. C'est un excellent gardien à skip. Il y a qui? Dabila. Dabila. Déjà, tu t'appelles Nabila, t'es vieux, t'es moche. Je sais pas. Soumaro! Un excellent défenseur, 27 ans, mais il n'a pas beaucoup de moyens général. Hein. Je pense qu'on va le vendre l'année prochaine. Alonso, très bon défenseur, mais je suppose qu'on va le vendre vu son âge et vu sa geste technique qui est nul,
qui a il a Boca Junior. Voilà, avec le beau t-shirt du Boca Junior. Magnifique t-shirt. Vraiment, c'est Jérémy Pied. Ah, voilà, c'est lui. Jérémy Pied. Déjà, t'as pas de pied. Je crois que je vais arrêter ces blagues. Ça me fait rigoler. Non, chaud. Putain, non, c'est quoi ce nom? Putain, c'est quoi ce nom? Bon, j'ai arrêté de dire des gros mots parce que là, je vais te hack. Chaud. Voilà. Kwame, un excellent vieux. Il est pas vieux, il a 22 ans, c'est début de carrière. Je pense qu'il peut monter. Hein. Gaëtan, Nicolas. Bon, je crois que c'est un peu mon nom. Du coup, si c'est mon nom, on va le garder. Hein, de sûr. Flip. Voilà. Il flippe. Donc, du coup, il s'est taillé. Voilà. Outara. Voilà. Il est où? Bah, il est pas là. Il y a qui? Il y a Louis Crémy. Boula Z. Voilà. Boula Z. Il a raison. Pour que le vent il passe mieux. Comme ça, il court mieux. Parce qu'à son âge, il court très vite. À Chelsea, il a couru vite. À Marseille, il a couru vite. Donc, c'est plutôt bien pour lui. Une bonne carrière pour l'instant. Même si à Marseille, à la fin, c'était pas ça. Même si on le mettait pas titulaire. Hein. Chelsea non plus. Enfin, n'importe comment, il a une bonne carrière. Il a eu des buts. Vraiment, buts en 5 minutes. Si il t'en met 2. T'en mets 2 de buts. En 5 minutes, il t'en met 2. Voilà. Donc, c'est parti pour les transferts. Je vais faire les objectifs. On a 14 millions 46. Je sais pas lire. Enfin, atteindre l'élimination directe. Il n'y a pas de joueurs. Développement des jeunes. Bref. Il n'y a rien d'intéressant. On se retrouve pour. J'ai dit budget. Pour. Le transfert de FIFA 20. Sinon, on se retrouve pour le transfert de Lille. La première transfert. Voilà quoi. Donc, on a pris juste la connant. Pour, au stade de Reims pour 10 millions d'euros. On a mis Zekage côté Portland Timber parce que je l'aime pas, voilà, c'est nul. Zeka Versanderski, voilà, en prêt, on a mis en prêt. On a vendu José Font côté Valence pour 5 millions 5, voilà, ça, c'est comme ça parce qu'il était trop vieux. Hein. Jérémy Pied qui a pas de pied qui va vers Rolando. Qui n'est pas titulaire, donc je sais pas pourquoi ils l'ont pris cette année, Rolando. Pour 2,8 millions, on l'a vendu à Braga. On a pris Zagadou côté Borussia Dortmund pour 20 millions 310. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour ce transfert. Donc voilà. Donc voilà. Je vais juste regarder c'est quand le match, c'est dans une semaine. On a le temps de vendre. Parce que moi j'ai envie de vendre Zeka là. Voilà, Zagadou. Oh là là. Conan. Rinaldo. Ronaldo, je plaisante. Bradarik. Timothy Wea. Diallo. Bon défenseur. J'ai envie de vendre tout ça là. Zeka. En prêt lui. Le vendre. Lui, je le veux le vendre. Surtout lui là. Surtout les deux là. Sur casse-tête. Donc voilà, j'ai hâte pour le premier match. Voilà. Donc là, je vais faire le premier match. Tac. Offre pour Zeka. Donc lui, il part direct. Parce que j'ai fait une offre à 12 millions. Ils n'ont pas voulu. Donc là je vais pas prendre de précautions. Je vais le vendre direct. Voilà, parce que si tu imagines, déjà s'il le veut pas, c'est la galère. Bocat. Mbanyang, cette année on le veut pas. Alors là, tu peux dire ce que tu veux, mais je le vends pas. Jonathan, il connaît, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Je m'en rappelle. Hein. Je m'avance un peu pour le match. Ah, Zeka vendu, voilà. Donc on pourra prendre personne. Si peut-être un milieu de terrain jeune, parce que ouais, ok.
Bah ça sert à rien parce qu'on a déjà plein de milieu de terrain donc on va en mettre en prêt lui. Puis prendre un jaune. Voilà. Si je le mets en prêt, hop. Normalement là, on a 11 millions. Non, 9 millions. C'est pareil. On a 10 millions. Premier match contre Nantes. Voilà, Nantes. Ah non, vous pourrez connaître, non, je veux pas. J'ai une offre de sous-marin côté Olympique de Marseille. J'ai dit non. Voilà. Ça, ils l'ont voulu, mais ils l'ont pas pris parce qu'ils l'ont vu qu'il était nul comme Germain. Voilà. Même s'il est fort, Germain. Voilà quoi. Donc, le premier match avec le Lille est contre Nantes. Vas-y, on va faire la petite conférence de presse. Merci. Nous allons pouvoir commencer cette séance de questions-réponses. Ok, il n'y a pas de problème. Comment se déroule la préparation du LOSC? Bah, le joueur doit se focaliser sur la victoire. L'équipe saura-t-elle gérer la pression et se qualifier pour l'UEFA Ligue des Champions? Ok. Bah, là... La qualification est essentielle si le club veut figurer parmi les meilleurs. Après le retournement Conan, supporter hâte de voir jouer continuer ses débuts face au prochain adversaire FC Nantes. Faut parfois du temps pour s'adapter. C'est tout pour aujourd'hui, merci. L'entraîneur qui s'appelle Non Oui, ben voilà quoi, ça pose pas de problème, y'a quoi? Hein? Y'a quoi? Bonne Conan. Ah, parce que je peux dire des gros mots hein, si c'est pour être hacké juste après. Donc, pourquoi moi je sais qu'elle sera bloquée la vidéo. Bon, faut vite la voir, tu vois, faut vite les voir. Nicolas Pallois, voilà. Nicolas Pallois, c'est un très bon défenseur. Il monte dans son camp souvent. Mais voilà quoi. Donc l'équipe, voilà, débutée comme ça. Magnifique. On va mettre Yazici plus tard. Ouais. Dommage, je lui crème, il est blessé. Hein. Parce que là, je vais mettre titulaire. Là. Parce qu'il a fait la boule à Z là, pour que le vent il passe mieux. C'est dommage. Hein. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Skip. Mais non, en fait, je simule. C'est dur. Hein. C'est sûr, il va avoir de la rage, parce que moi je rage tout le temps. Donc... Hi everybody, a lovely day for football. Ah ouais, non, here. Welcome c'est en to you. I'm Martin Tyler, he's Alan Smith alongside. Attends, on peut pas couper les commandateurs là. Attends, on va voir déjà ma manette parce que. Ouais, classique. C'est... Ouais, parce que s'il met toujours. Mais toujours alternatif là, c'est chiant. Visuel, audio. Commentaire. On va les baisser. Voilà. Allez, c'est parti. Jean Champion. Sur le centre. On entend les supporters lillois. Attendez là, parce qu'on voit pas en bas. Oh, d'ailleurs, putain, ça commence par des problèmes, donc c'est magnifique, hein, quoi. Voilà. Vraiment, donc, Simon. Simon, tu réponds par Célic. Oh, Simon qui reprend, Simon il est très fort.
qui ne connaissent pas. Là, c'était pour Renato Sanchez, mais c'est repris. Pour Renato Sanchez. Renato Sanchez, peut-être pour Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, pour le centre. Le centre, c'est contré. Et ça fera un corner pour Lille. Attention, la retournée! Attention pour le gardien à la fin. Attention pour le tir! Pour Renato Sanchez! On joue la Ligue des Champions pour cette année. Attention! Peut-être. Simon. Attends, mais c'est stressant, je vois pas les noms en bas. Je vois pas les noms, c'est stressant. Non, il y a indicateur, voilà. Voilà. Ah, peut-être Renato Sanchez, le centre. Heureusement qu'il est pas sorti trop, hein. T'imagines, il est sorti trop, là, il y a un but, là. Là, on est dans la merde. André, Benjamin André pour... Oh, putain. Oh, je suis nul, hein. Oh là là. Pour Renato Sanchez. Renato Sanchez pour Bamba. Bamba pour Ikoné. Pour le centre. Pas loin, qui la reprend? Nicolas pas loin, vraiment, qui est très fort parce qu'il s'appelle Nicolas. Attention, la frappe. J'espère que je joue un champion là. Attention aux mains parce que là. Sanchez. Passement de jambe. On met Jonathan Ikoné. Ouf. J'essaie de faire la Nsa Mixamien. C'est Nick pour Arojo, Luis Arojo, le centre. Attention, c'est repoussé. Oh putain. C'est la connard pour le centre. C'est vrai qu'il faudrait un Mario Balotelli d'avant. T'imagines? Ah, il est jeune, Sanchez. Le centre. Oh, la retournée de Benjamin André, ça va pousser. Zagadou. Attention, oh, y a Benaventure. Et c'est dur, hein. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué en plus là. C'est Lick qui passe. C'est Lick le tir, c'est contré, ça fera corner pour Lille. C'est avec la mi-temps là. Attention. Zagadou. Non, Gabriel. Attention. Oh là 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 là.
J'ai attention pour l'autre équipe, hein, t'es obligé de se parler. Première mi-temps, 0-0 contre Nantes. Voilà. Donc, deuxième mi-temps, pas de changement, rien. Tu peux voir la deuxième mi-temps, au calme. Il y a faute. Il y a faute là côté côté Lille. Mais bon, faut rien dire. Hein. Oh, pourquoi ils sont là? Pourquoi? C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi ce qu'il a fait là. Ah, y'a personne hein. Nul. Vraiment t'es nul frère. Et voilà. Ils savent pas jouer. Le monde. Allez là, c'est coco là. Bonjour. Mais fais des dribbles ma manette là. Et voilà. J'ai pas joué. Pareil que là, j'en prends un but tout pourri. Benjamin André. Pour reconnaître. Renato Sanchez. Pourquoi j'ai fait ça? Renato Sanchez. Je suis trop nul. Là, il pouvait prendre la balle. Là. Putain, ça va être dur en Ligue des Champions. Je sais même pas si on va se qualifier. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là. Oh mais déjà vite fait. Alors là mec, je suis trop nul. Alors le plus nul dans l'univers, c'est moi là. But pour le FC Nantes. Ça fait mal. Vas-y tché. Oh bon alors là mec, on n'a pas de ces compositions là. Marée, attention pour allez, pour la chercher celle-là pour le centre. Ouais, pff, il abuse là. Ouais. Oh non, dommage. Pff, ça fait longtemps que j'ai pas joué chez Mewtwo là, tu sais. Ils sont nuls là, ils ont pas de paille. Oh. Ah, la vie de ma mère, je suis trop nul. Comment
commence par une défaite, c'est trop bien ça. Oh le mec il se prend un petit coup. Oh le mec il sait pas faire une passe. Il a rien. Juste un bon défenseur. Vas-y Marcus Coco là. Retourne à Gagan là. Allez cours, cours là. Mais y'a rien. Vas-y, Arojo, tu pues la merde. On est nul. Tout le monde est fatigué, là, vite. C'est même plus un match de Ligue 1, c'est un match de Ligue 2, là. Vas-y, c'est pas faire ça, là. Allez, Zagadou. Gabriel. Va-t-il le faire? Oui. Oh, pas loin frère. Il a 40 ans. Mais vas-y prends la main là. Oh. C'est bien. Une défaite, ça fait mal. C'est quoi ça? Ça le chauffe, hein? Bon, ma première défaite. Je suis trop nul. Mais c'est aussi ma manette, là. Elle bug, là. Casse les couilles, ma manette. Voilà, c'est l'heure de la réaction à chaud de l'entraîneur. Mais tout d'abord, merci de votre disponibilité. Voilà, encore merci. T'imagines on est foutu dehors là? Allez là, je m'en fous. Bon, on va faire des changements parce que là ça va pas du tout. Déjà, on va mettre. Ah mais on a qu'un buteur là. Buteur de merde en plus là. Benjamin André. André frère, c'est qui lui? Déjà on va faire en ma manière. Connais une décence, je te jure. Hop. Allez, on simule. Simulation comme dans le match. Alors, après, ça, GG, il a 68, ouais. Bon, ça, si on prend un club de Ligue 2, hein? Pourquoi pas, hein, Brice GG, hein? Faut qu'il y a le pognon aussi. Non, pas Célic, non. S'il est pourri, mais bon. Je m'en vais pas. Allez, contre Amiens, frère. Allez, Amiens, Amiens. Pas abusé non plus, Amiens. Voilà. Allez, on fait pas la conférence parce que là, ça va pas. Il est très beau le t-shirt d'Amiens. Vraiment, je l'aime bien, moi. Allez, c'est parti pour ce match contre Amiens à l'extérieur. Pourtant, on a le maillot de domicile, je comprends rien. Parce que. Allez. Ah ouais merde, j'ai oublié de mettre les commandateurs en truc là. Allez, on se retrouve contre Amiens. Je vais vous dire les compositions parce que c'est marqué on the field là, il y a d'habitude. Composition Denis. Luis Denis. Putain, Kakuta. Ah lui, il fait chier lui.
Allez, Sami, Diabassi, Shedou. Y a pas celui que je connais là. Je sais comment il s'appelle. L'ancien Lyonnais, l'ancien Parisien. Jallet, voilà, c'est toi Jallet. Je comprends pas pourquoi il ne m'a pas. Oh voilà, bah je vais pas me plaindre, je suis pas. Roberto Sanchez. Oh putain, je voulais faire un passement de jambes, là, c'est pas fait. Et vas-y! Arrête de courir là! Putain, mais c'est mieux là! C'est vraiment du mieux fou quoi! Mais vas-y, cours! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ça m'énerve! Vas-y, prends la balle! On a pas des vrais attaquants, ça m'énerve! Allez. Wow. Allez. Gabriel. T'es nul, frère. Pourquoi ils ont pris Gabriel là? Sérieux, là, Lille? Ils m'ont déçu, là, Lille. Nous, s'il te plaît, on a pris Zagadou, frère. Pas de temps de niaiser. Ça va faire que ça. Allez, non. Petit bras, là. Eh, vas-y, il se fait bousculer. Il n'y a pas faute. Non, bah non. Mais vas-y! Le mec, il a même pas 2 mètres! Je vais l'enculer, c'est mort lui! Frère, c'est quoi ça? Allez! Ouais, allez. Mais vas-y. Mais vas-y, il a fait des gestes techniques. Allez, là, je veux pas le temps de niaiser. Bon, pense tu, c'est des flemmards. Frère, vas-y, j'attends. C'est bon, mec. Regarde, frère, y a personne. Vas-y, ça m'énerve. C'est pas du jeu. Allez, appelle ça. Ah, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je sais pas jouer à FIFA. Je crois que je me mets en amateur, tu sais, à l'ancienne. Voilà! Victor Osimhen qui ouvre le score, ça fait plaisir.
Par contre, s'il te plaît, laisse-moi faire une célébration, je sais pas. Allez. Dommage. Et c'est dur, hein. Il la sort en premier, frère. Ah, et si tu veux. Allez, allez, vas-y. T'en es pourri. Oh putain, mais j'en ai marre, ils font exprès là. Frère, il nous fait flipper, c'est un truc de ouf. Germain, va. Mais non. Oh putain. Frère, j'en ai marre cette composition de merde là, ces compositions là. Frère, ma mignon, il me déçoit, vraiment, il me déçoit beaucoup. C'est pas se placer. Corner pour Lille. Attention à Courtier là. Et ça m'énerve ces gardiens là. Frère, la tête est là avant le gardien. Hein, non mais c'est pour le gardien. Hein. Ça m'énerve ces contre-attaques de merde là aussi. Faut... Mais vas-y! Allez. Oh! Oh non! Vas-y, fais des dribbles, là. Casse pas les couilles. Oh. C'est bon, il connaît, mais... Quoi ? Non, mais non ! Ils sont pourris, mes joueurs. Quoi? Attends. Tu vas pas me dire qu'il la touche pas là. Vas-y là. Ah non, il la touche pas. Ouais, vas-y, là. Je me fous tout le temps avant. Ouais, il connaît, c'est même plus il connaît cette année. C'est flemmard. Vas-y, chier. Dommage. Oh, je crois que je vais mettre déjà Jitsi, il est mieux. Hein. Allez, le but de Victor Osimhen. Oh, je crois que je vais mettre Jitsi. Il est du formulaire, Jitsi là.
Allez, 3-0 pour le LOSC, Luiz Araújo. Eh, c'est meilleur, hein. Waouh. Eh, vas-y, tiens, voilà, waouh, c'est une ligue de champions, là, c'est... Allez, on va faire un changement. Franchement, j'ai dit Chir, j'adore lui, c'est mon préféré maintenant. C'est un quoi? C'est un. On s'est même pas dit, ok. C'est... Ils sont tellement des blédards. On va mettre Sous-Marie. Sous-Marie qui va sous la marée. Allez, c'est parti. Tu vas tirer là. Oh là 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 là. Oh, j'aime pas quand il fait les gestes là. Allez. Oh, j'adore. Ah non, j'adore. J'apprends là. Mais bon, quand même, pourquoi... Là, c'est plus de retour. Vous croyez quoi? J'avais pas de bonus de retour, là. Voilà. Allez, ma fille. Oh, non. Oh, frère, j'étais en train de la passer. Ça m'énerve, ça aussi, là. Allez. Zagadou. Moi j'en ai un vrai. Non. Elle est fatiguée, elle est fatiguée. Ah merde, je crois que c'est... Je vais pas passer à lui, mais bon. Ah, dommage. Tu m'as tué à... Le sang de tu m'as tué à... Et c'est le 5-0 pour Victor Osimhen. Ah, il a dit que lui, il mérite pas peur d'être tué. Bamba. Tu me tues là, je vais le faire. Tu me tues là, là, maintenant. Voilà. Centre. Attention, Zagadou le repoussait. Heureusement. Dommage. Pour lui, c'est doux. Zagadou. Ah, dommage. J'aurais poussé la balle plus tôt, c'était bon. Attention. Oh, bien joué, bien joué. Ouais, c'est bon, faut pas trop. Attention, parce que là, j'ai dit, il est bon, hein. Allez, Victor Osimhen, que le vol, il a fait un quadruplé, pas un triplé, un quadruplé. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Au début, je rageais, et à la fin, tout va bien. Et ben voilà, c'est bien.
En vrai, ça mérite une petite conférence de presse là. À la Nico 78. Allez, c'est parti. Montpellier qui gagne, Monaco qui gagne, Nice qui gagne, Toulouse qui gagne contre Dijon. Dijon, Dijonais, mayonnaise. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Ouais, on s'en fout. Osimhen est une superstar. Vraiment, il a fait à quoi douper, mais contre Amiens aussi. Amiens, frère. Facile, Amiens. Voilà. Amiens, frère. Amiens. Oh, on va mettre. Tac, tac. Oh là là. Et voilà. C'est bon, tu vois. Tu vois, on commence de plus en plus à rêver, là. À rêver pour les supporters. Lui, il va commencer. Mitrovlu, il va commencer à monter, lui, hein. Alors lui, wesh, lui, on peut le vendre, je m'en fous. On va se rejoindre jusqu'à l'autre match, et ça sera l'autre épisode. L'épisode 2, hein, 1, 2, je sais compter quand même. Hop. Je rote. Enfin non, j'ai... Ça gonfle, je sais pas. Chevalier, Lucas Chevalier, doté d'un potentiel. Lui, non. Tu peux rêver. Tu peux rêver, mais tu l'auras pas. On est passé au niveau 31 sur FIFA, voilà. Ça fait plaisir, voilà quoi. Je sais qu'il y en a qui sont moins 100. Parce qu'en fait, j'ai perdu mon compte. Voilà. Vous allez dire, ouais, bien fait. Bien fait, hein. Bah écoute, c'est comme ça, écoute. Bon, le prochain épisode. On sera contre Saint-Etienne, hein. Stéphanois, ouais, parce que c'est un nom, hein, Stéphanois, c'est un nom. Et Louis a rejoué, il veut être titulaire. Donc, voilà. Donc, on se retrouve pour l'autre vidéo, partie 2. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, vert, pouce vert. Je me rappelle, c'était pouce vert, mais j'étais pas né, je plaisante. Mais j'allais pas sur YouTube, hein, mais bon. Maintenant, c'est pouce bleu. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez pouce vert, pouce bleu. C'est pareil pour moi. Donc, c'était Nico78. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour le prochain épisode, tchuss!